Salut à tous, c'est le quatrième jour. Salut. Et pour un paléo réussi, il faut de la pluie, il faut un petit orage. C'est le cas, on est sur la plaine de Laz devant le stand merchandising qui se fait assaillir, Andrea. C'est ça, paléo boueux, paléo heureux. Exactement. Mais fait hier, quoi alors? On retourne ailleurs parce que hier il faisait encore beau et on est allé voir de la déco, HESSO. On va parler scénographie, c'est tout de suite. Salut Laurent. Bonjour. Quand on lit ton titre, tu es chef de projet en charge de la scénographie du site HESSO. Qu'est-ce que ça signifie? C'est quoi ton job? Alors, c'est un beau job d'ailleurs. Ça a l'air. En fait, mon travail, c'est de donner de l'énergie et de coacher tous ces étudiants pour développer chaque année un univers différent. Pour ceux qui se rappellent, l'année passée, on était sous les crêtes d'un volcan et cette année, on va se retrouver dans les fonds marins, dans un champ de corail. Et donc, on développe durant 6 mois tout un travail, on est au concept, après on développe les idées et puis là, c'est la récompense, on réalise après 4 semaines de montage la scénographie et l'aménagement et maintenant c'est le public qui se l'approprie et on est très heureux. Alors tu pars d'une page blanche j'imagine et puis après il faut implanter un site, il faut prévoir j'imagine des espaces de sortie, des entrées. Mais justement c'est quoi les contraintes? Comment tu travailles? Alors il y en a beaucoup. Alors juste se remettre dans le contexte, c'est la 14e année, donc les premières années on tâtonnait parce qu'il fallait comprendre les besoins du public, il fallait voir comment ça fonctionne. Petit à petit avec les différentes expériences, maintenant on a un cahier des charges qui est bien connu. Et puis par contre, chaque année, en changeant l'univers, il y a chaque fois des comportements différents. Mais bien sûr, il y a des aspects sécuritaires, il y a des aspects esthétiques. Si l'endroit est sympa, les festivaliers y viennent. Et je dirais que c'est vraiment réussi quand ils s'arrêtent et quand ils y restent. Et voilà, donc il y a bien sûr des sorties, on essaie de mettre des endroits sympas. Ici, il y a ces grands hamacs où ils peuvent se poser. Il y a bien sûr à l'intérieur après d'autres projets des écoles d'HESSO de Suisse romande qui sont développés à l'intérieur. On leur offre de bonnes conditions, un espace couvert. Et là, les festivaliers peuvent découvrir différentes activités. Puis pendant la semaine, j'imagine, tu viens voir le site, tu viens voir si ça marche. Alors cette année, qu'est-ce qui marche? C'est-à-dire, on voit ces espèces d'espaces justement avec un petit treillis, les gens se posent. Si ces treillis sont pleins, toi tu es heureux, c'est-à-dire que la mission est accomplie. Oui, alors, cette année c'est particulier puisqu'on essaie de travailler, c'est pas toujours très facile. Un environnement, j'espère, poétique, il faut que les visiteurs viennent. De jour, c'est tout rose, c'est des coraux. Et puis la nuit, ils sont plutôt bleutés, turquoise, violet. Et cette année, vraiment, c'est un endroit où les festivaliers se posent, s'assoient au pied de ces coraux et discutent et passent un bon moment, un peu en marge du tumulte du festival. Donc je dirais que ça fonctionne bien. Ouais, c'est vrai. En tout cas, quand on se balade la nuit et même la journée, on voit énormément de gens en train de se prendre en selfie, de faire des photos. C'est réussi. Il y a aussi un travail sur les matériaux, comme tu l'as dit. La journée, c'est rose. La nuit, ça devient un peu bleuté. Et ça, c'est des petites astuces qu'on trouve justement pendant ces 6 mois de travail. Ça, c'est un aspect assez difficile, c'est d'essayer d'exister, d'être présent, déjà attractif la journée, et puis de renverser cette attractivité pendant la nuit. Alors, selon les années, il y a des projets qui sont plus spectaculaires de jour et de nuit. Je pense que cette année, on a la chance d'avoir un bel équilibre par rapport à ça. Mais on tient compte de ces données dès le départ de la conception. Alors, tu es aussi connu pour avoir réalisé les aménagements provisoires à Nyon. Comment on aborde la chose quand on travaille sur une scénographie qui est pour 10 ans ou une scénographie qui est pour une semaine? Est-ce que ça change le concept ou est-ce qu'on travaille de la même façon? Alors, je pense qu'on travaille de la même façon. Et puis, pour la petite histoire, c'est ça qui est intéressant. Je crois que c'est tout l'apprentissage de ce qu'on appelle de valeur d'usage, de comportement des gens dans un espace quand ils veulent se délasser grâce au paléo depuis 14 ans qui ont permis de maintenant développer ce regard et cette expérience aussi dans l'espace urbain. La seule différence, c'est la résistance des matériaux. Ici, il faut que ça dure pendant 6 jours. Donc, on construit solidement, mais le projet se fatigue beaucoup. Puis pour un aménagement urbain, c'est, je crois, vraiment la même approche, si ce n'est que les matériaux sont construits de façon plus durable, plus solide, selon la durée en fait, du projet. Mais on est venu, en fait, je dirais, de l'événementiel vers la ville. Et puis, je crois que c'est ce qui intéresse aussi les habitants des villes maintenant, c'est d'avoir aussi une diversité pour se rencontrer, pour se délasser, pour échanger. Et ça, c'est l'apprentissage de toute cette opération. Ok, écoute, merci beaucoup de nous avoir expliqué un peu comment tu travaillais. Est-ce que tu as déjà des idées pour l'année prochaine?
Alors des mauvaises idées, j'en ai plein. Super comme. Mais par contre, une bonne idée, non, pas du tout. C'est une mauvaise idée, c'est quoi? Ah ben non, non, une mauvaise idée. Ah non, ça, j'ai la pudeur de ne pas vous les dire. Mais non, ça, c'est curieux comme principe. On laisse après un peu de vacances, hein, après le paléo. Et puis l'énergie, l'envie revient en automne. Et puis il y a quelques hypothèses. Ben, revenez nous rendre visite l'année prochaine, comme ça vous verrez. Ben, c'est ce qu'on va faire. Alors, rendez-vous l'année prochaine ici sur, on dit quoi, le village, le site On dit l'espace. Ben, l'espace H-E, ouais, surtout pour moi, l'espace H-E-S-S-O, voilà. Merci. Salut, à bientôt. Merci, salut. Plein de petites pèlerines jaunes pour ce festival, ça me fait penser à quelque chose d'ailleurs, pas toi? Bzz, 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 allez André, on file, on va à la ruche. Bzz. Patrick Sompa, salut. Salut. Merci de nous accueillir ben, dans ton monde, la ruche, cette année, la thématique, le burlesque. Qu'est-ce qu'on peut voir avec ce burlesque? Oh, alors là, plein de choses, hein. Il y a 9 compagnies qui jouent à l'intérieur de cet espace magique. Et on peut voir du burlesque qui va du tati au vraiment cacophonique qui serait Kalash et Moumoud, qui sont des clowns trash. Il y a un petit jeune qui m'a dit tout à l'heure, il ne savait pas ce que c'était le burlesque. Le burlesque, c'est quoi? Ah, c'est très intéressant ça, parce que bon, le burlesque aujourd'hui n'a pas le même sens qu'à l'époque quand il a été créé. C'était dans les années 1700 et quelques, 1760 à peu près par là. Et ça vient d'un mot italien qui dit burla, et burla c'était la farce. Et puis pour finir, le mot s'est transformé en burlesco, et burlesque pour le français. Et la burla, c'était une façon de parler de politique, de parler de social, vulgarisé, et dont on se moquait un peu. Donc c'était ça. Et puis après, on voit que des artistes comme Charlie Chaplin, par exemple, ils ont repris aussi ces thématiques-là. C'est-à-dire qu'il y avait, dans le rire, il y avait beaucoup de profondeur derrière, il y avait beaucoup de politique, où il y avait beaucoup de social. Et puis ce burlesque poétique, cacophonique, mais aussi un burlesque qui s'exporte à l'extérieur, enfin dans le festival, qu'est-ce que ça apporte selon toi, ben voilà, de confronter ces arts de la rue, mais aussi au sein du festival? Ah ben, moi je trouve ça très intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'en Suisse, il y a peu de festivals de rue, que le public ne connaît pas vraiment très bien le théâtre de rue. Et là, ils se sont habitués, hein, parce que hier, il y a eu 11 000 personnes qui sont venues, avant-hier, il y en a eu 10 000. Donc on se dit, s'ils viennent déjà dès le premier jour, c'est qu'ils connaissent maintenant le public du Paléo. Mais si vous parlez de théâtre de rue à des gens, des lambda, souvent on vous dit jongleur, cracheur de feu, mais on va jamais vous dire des dodos géants avec quelqu'un dessus. Ouais. On est tous un petit peu artistes dans l'âme, en tout cas, on aurait cette sensation de se sentir comme ça. Toi, quel serait ton talent caché? Moi, j'ai fait la chanson. Je dirais que je suis un bon agitateur. Agitateur d'âme. C'est-à-dire aller chercher la foule, créer des émotions? C'est composer quelque chose qui va faire plaisir, ouais. Je suis un peu un compositeur de plaisir. Et puis ici, ben, tu composes les plaisirs, en tout cas, tu essaies de créer ce plaisir au public. Comment tu choisis tes spectacles? Ça marche toujours au coup de cœur, mais qu'est-ce qui fait que tu dis « Ah, ça c'est pour moi » C'est le fait qu'une compagnie me propose un spectacle et dans les 5 minutes, dès le départ du spectacle, je croche. Si je croche dans les 5 minutes, je sais que ça va marcher ici. Parce que c'est une des difficultés par rapport à Paléo, c'est qu'il y a quand même des grosses stars à côté. Donc si quelqu'un est pris dans les 5 minutes, ça marche. S'il faut 10 minutes ou un quart d'heure pour rentrer dans le spectacle, c'est fichu. Et puis l'autre chose, c'est que je ne définis pas un thème avant, mais je vois plein de spectacles. Et puis après, je me dis, ah, celui-là irait bien que celui-là, celui-là. Et dès que j'en ai 3 ou 4, après je continue. Et c'est comme ça que le terme burlesque est arrivé. Eh bien, plus qu'une chose à dire, chapeau, l'artiste. Et merci, à merci. La prochaine. Merci, bon festival. Ah, les patrouilleurs qui embêtent les festivaliers, là encore, ça suffit? C'est moi qui vous mets l'amende. Alors non, alors on n'est pas là pour créer des tensions. Hein. Attention. C'est une scène étonnante, Andrea est en train de mettre à l'amende la police. Regardez, ça se passe ici. Rien, mais rien à voir. J'y souperais bien, Macaron. Qu'est-ce qu'elle a là? Qu'est-ce que tu planques là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans?
C'est ce qu'on appelle un poulet aux amandes. Ça sent la vanille, hein. Ça sent bon. Ça sent bon. Qui hein. c'est qui veut goûter? Tu veux goûter un macaron? Vous voulez goûter un macaron, là? Viens goûter, c'est bon. Il y a les cannelés de Bordeaux, puis il y a les petits macarons de Suisse, là. Oh, bah, goûtez ça. Bon, c'est des macarons de Nyon. Mais ça aurait plus de quoi faire. C'est une spécialité. Ce soir, alors. Bravo, hein. Caresse plus du... Cette année, je présente les dodos et donc j'ai ressuscité l'espèce endémique de l'île Maurice qui ont disparu il y a 300 ans et moi je voulais vraiment ressortir ces oiseaux. Justement, le dodo, vous l'avez ressuscité, vous en avez fait une marionnette. Est-ce qu'on peut la voir de plus près? Oui, bah, je vais vous emmener. Un dodo démonté. Mais qui a son regard, donc vous avez des manettes de partout qui permettent de manipuler le dodo. Et voilà. Est-ce qu'il mord? Non, il ne mord pas parce qu'il a pas de dents, c'est un peu comme une poule. Hein. Et donc toute la mécanique se trouve à l'intérieur. C'est une commande directe, c'est des câblages directs qui permettent une spontanéité dans la réaction du robot. Le dodo peut répondre très vite à une action qu'il voit. Le théâtre de rue, la particularité, c'est justement de sauter sur tout ce qui est... c'est du théâtre d'intervention. Là, on a l'Italie, vous reconnaissez le Colisée? Ok. Donc moi, je pense qu'il faut passer par-dessus... On est avec la compagnie Botcu, ici, à La Ruche. La compagnie Botcu, c'est une compagnie qui fait du ski au Paléo. Pourquoi? Alors c'est ce qu'on se pose comme question chaque jour quand on enfile nos chaussures de ski, on se dit pourquoi? On cherche notre piste, on cherche voilà, notre chemin à la neige. Votre but, qu'est-ce que c'est? C'est faire rire les gens? Non, c'est de trouver une montagne. Non, clairement. On n'est pas là pour rigoler. Ouais. Bah disons, on aime bien ce côté absurde. Du coup, quand on commence à parler avec les gens, c'est pas le but. Le but du jeu, c'est d'avoir des belles images, des actions, des choses qui se passent, enfin en vue du sport. On est avec la compagnie, un des membres de la compagnie Kartoffel, qui vient de dorer la pilule là sur la plage de La Ruche. Je fais. Oh, plage de Marseille, on vient. De Marseille. Wesh, mec. C'est quoi votre but? C'est de faire rire les gens qui viennent vous voir? En fait, le spectacle, l'idée, à la base, c'était... on a surveillé les gens à la plage, comment ils bronzent, leur rituel, comment ils se préparent. On exagère un tout petit peu les choses qu'on voit dans la vie, et voilà. C'est le burlesque. Et le public nyonnais, il aime ça? Vous avez l'impression qu'il aime ça? Il me semble que oui. C'est tout le temps rempli, là. Trop bien. C'est parce qu'ils aimeraient eux aussi être à la plage, peut-être? Peut-être. Ils sont jaloux, c'est ça. On est tous à la plage de Marseille. Hey, on n'est pas des clowns. On est que deux sur zone. On n'a pas le temps de faire les... Hein, on n'a pas le temps de faire les comiques. Là. Vous baladez et puis vous patrouille. Croisez les gens. Qu'est-ce que vous faites? On me patrouille. Ouais, on n'est pas là pour créer des tensions. Hein. On est là pour prendre la pression. Et puis bon, bah, on fait de la prévention, hein, évidemment. Hein. Plutôt de la prévention. Il y a assez de choses à prévenir, hein, vous savez. Ouais. Bon. Par exemple? Alors, par exemple, ben, on essaye de voir, de s'enquérir, de savoir si les gens sont bien là où ils sont. Voilà, s'ils n'ont pas chaud. Voilà, s'ils n'ont pas trop chaud, s'ils sont ancrés, s'ils sont ancrés pour faire la fête ou s'ils sont ancrés pour... On essaye de voir à ce que les gens ils partent pas trop non plus, vous voyez. En vrille, quoi. On est là pour... pas trop de tête de veau. Hein. Vous montrez l'exemple, on imagine, donc. L'exemple, bien sûr. Civilité, doigt le nez, je montre par du exemple, doigt, par exemple, pour prendre l'attention, paf, on vous prend là, par le lobe, on sent tout. Bien sûr qu'on a besoin de nous, c'est pour ça qu'on est là. Ouais. On a besoin de tout le monde. Hein. De toi aussi, on a besoin de toi. C'est une histoire de savoir-faire. Il est tout timide. Il est gentil. Hein. Viens faire un câlin, viens faire un câlin. C'est bien. Tu fais un câlin. Allez, va, voilà. Circule, va. Allez. C'est Dédé qui t'embrasse. Dédé et Titi. Laisse affronter. Merci beaucoup. Moi. Allez, va. Allez, patrouiller, ils ont besoin de vous, eux aussi. Salut. Allez, on peut. Va chercher un sandwich là, tu manges tes doigts là, va chercher un sandwich. Mange pas tes doigts, va chercher un sandwich. Voilà, c'est bien. Elle boit pas, elle fume pas, mais qu'est-ce qu'elle peut sucer? Des petites sucettes aux insectes. Il est vulgaire, t'en as encore un peu dans les dents. Allez, c'est parti. Notre mission du jour aujourd'hui, c'est faire manger des insectes aux passants. Et qui de mieux que Julien, qui est du stand insectes comestibles, pour nous en parler. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Qu'est-ce qu'on va faire manger aux gens aujourd'hui? On a des
Là, on a ici des boulettes de légumes et puis verre de farine. Donc, et là, les poêlés de verre et grillon. Ici, nous avons les cookies, avec des verres de farine, bien sûr. Tout est avec insectes. Et les tartelettes au chocolat et grillon. Et sauterelles. Sauterelles, c'est très impressionnant. Et est-ce que c'est bon, tous ces insectes? Oui, c'est super bon. Et ils sont quel goût ça? Ils sont suisses, quel goût ça? C'est un goût de noisette, on va dire. C'est assez neutre. Noisettes, c'est super, comme ça on peut les travailler en tant que sucré ou salé. Alors c'est ce qu'on va dire aux passants pour les faire manger, merci beaucoup. Donc j'ai préparé un petit apéro pour vous en fait. C'est bien gentil. Quoi ? Petite boulette, ça vous plaît ? On aime, bien sûr. Les boulettes, ça passe toujours. Ah, ça passe complètement même. J'ai des choses à te faire goûter. Une petite boulette. Ok. Vous pensez qu'il y a quoi dedans ? Ben je pense que ça va m'arracher un petit peu. Des insectes. Madame a dit des insectes. Ah ben, j'y crois aussi, moi. Ça t'a l'air comment, ça? Bon. Tu penses qu'il y a quoi dedans? Ah, tu te lances à corps perdu, comme ça? Je sais pas, du chocolat. Faut pas regarder à l'intérieur. Non. Oh! Ah, faut pas regarder à l'intérieur. Ben non. Ouais, c'est vachement bon. Oh, ben, ma foi. Bon, ouais. Non, c'est bon. Oh non! Il bouge encore. Non, il bouge pas, en plus, c'est pas vrai. Ah, il bouge pas. Toi, tu vas manger. Allez, on... Un petit verre là, tout joli. Bon, bien grillé alors. Voilà. Et on y va. Bah, t'arrêtes de crocheter dans les dents. Mais je t'en prends même un deuxième. Ouais, ça fait un peu chips, ouais. C'est bon, hein. C'est comment? Bon. Délicieux, donc on laisse goûter ton frère. Oui, on peut. Tu lui donnes? Tu veux lui donner, là? C'est bon. C'est délicieux le chocolat. Maman, elle peut refaire à la maison. Oui. Maman, elle refera à la maison? Non, non, pas celui-ci. Maman, elle a plus les mots. Elle sait plus quoi dire, maman. Non, la décoration me plaît un peu moins. Oh, c'est bon, j'ai... Vous en avez encore un peu dans les dents, là. Non, mais c'est... Il faut se dents. Si c'est si facile, moi, je te conseille de tenter la sauterelle avec la petite douceur, la tartelette au chocolat. Ouais. On imagine, il y a beaucoup de chocolat et la sauterelle, qu'est-ce qu'elle donne à ce plat? Un peu de croustillant, c'est pas mal. C'est parfait. Ça a pas de goût. Non, ça fait rien du tout. Bah, ça goûte le sel. Petite boulette de légumes. Ici, qu'est-ce que c'est? Non, mais ça, vous avez des bestioles là. Moi, je les veux pas, vos bestioles. Ah, elles sont très bonnes, je vous assure. Oui, non. C'est vrai qu'on devrait en manger plus souvent, mais bon, on ne va pas trouver ça partout. Hein. Ici au Paléo, il y en a plein partout. Merci. Vous en avez oublié, là? Oh, les pauvres bêtes, alors. C'est cadeau, c'est pour vous. Et puis pour la suite, alors, cette boisson, c'est quoi? Eh bien, cette boisson, on a fait la tournée des bars, de nouveau avec Grégouille, qui cherche de nouveau un sleeping. Déguisé en Mère Noël, il paraît. Déguisé en Mère Noël, c'est tout de suite. Hello, quatrième jour, quatrième bar. Donc aujourd'hui, on est au bar du Voyageur, qui est situé au Village du Monde. Et je suis en compagnie de Florian, donc qui fait partie du staff, hein, et qui est aussi membre du Vélo Club de Nyon. C'est le Vélo Club qui tient ce bar. Alors, salut Florian, parle-moi un petit peu du bar. Vous êtes combien ici? Alors ici, on est une trentaine, on est une petite trentaine et on est bon, une équipe de jeunes, une équipe d'amis. Puis on tient le bar, enfin, on a une bonne ambiance, on fait des thèmes déguisés. C'est le cas aujourd'hui? Amuse, exactement, ouais. Aujourd'hui, ouais, c'est Noël aujourd'hui. D'accord. Donc vous allez distribuer des cadeaux? Ouais, on va tenter en tout cas. On va en tout cas distribuer la bonne humeur, ça c'est sûr. Les boissons gratuites aussi? On verra, normalement on est quand même censé vendre des bières, mais du coup... Ici, bon, mis à part le déguisement, vous faites comment pour mettre l'ambiance? Il y a un chant, il y a des choses ou ça se fait tout seul? Bah alors, normalement on a de la musique, moi actuellement en fait c'est Paléo, mais là ils l'ont arrêté la musique. Mais sinon ouais, on essaye de, bah, juste d'être, de sourire, le sourire, franchement la communication avec les clients et du coup juste parler, avoir une bonne humeur quoi, enfin transmettre la bonne humeur on va dire, c'est le meilleur moyen, je trouve, d'apporter de la bonne humeur aux gens. Enfin, tout à fait. Bah, en tout cas, c'est communicatif. Hein. Moi, je participe aussi. Voilà. J'espère que les gens vont jouer le jeu aussi. Le Vélo Club, ça fait combien de temps qu'il tient le bar ici ou peut-être ailleurs? Donc, sur le site Le Vélo Club, après, moi, ça fait 6 ans que je fais partie du bar.
Mais je pense environ, enfin je t'avoue que je connais pas toute l'histoire, mais ça fait environ 15-20 ans qu'ils sont présents en paléo. Donc ils sont quand même assez vieux et ça permet en fait de fournir quand même un bon apport, une bonne rentrée d'argent aussi au club et aussi ben, de faire de la visibilité pour le club. Les gens vous posent quand même des questions sur le club justement ou ils s'en foutent un peu ? Pas trop on va dire. Les gens sont plus là pour boire des bières mais sinon de temps en temps on a quand même quelques questions aussi. Pour les. Et puis bon, bah, vous avez quand même un sacré lieu de jeu là quand même, hein, avec tout, c'est quand même un sacré espace. C'est un avantage ça ? Ben ça dépend, ben, comme tu vois, enfin je sais pas si on entend mais là il commence à pleuvoir, du coup les gens vont commencer à rentrer au bar. Donc c'est un avantage, un désavantage. Des fois c'est assez le sauna, enfin c'est quand c'est il n'y a pas beaucoup de vent dans cet espace, mais ça amène du monde, ça amène des gens et quand en fin de soirée quand on peut mettre la musique et danser, ça apporte une sacrée ambiance en tout cas. Là il commence à tomber un petit peu quelques gouttes. Un jour comme ça avec la pluie, généralement les gens consomment moins, c'est le cas ? Bah ça dépend en fait. Bon là c'est relativement tôt dans la soirée. Donc il faut que les gens, ben, on est en village du monde, donc on est assez haut dans Paléo. Il faut que les gens arrivent à monter jusqu'au village du monde. Mais des fois, quand c'est en fin de soirée, c'est assez vite, les gens ils commencent à s'enfermer dans le bar. C'est aussi, dès qu'on a un avis de tempête, on est obligé de fermer le bar par sécurité. Et du coup, les gens commencent à rentrer et là, après, ça consomme, ça peut consommer. D'accord. Bon, sinon, on va parler aussi vélo quand même un petit peu. C'est quoi l'actu du club là ? Alors, ben, l'actu du club, on a toujours une partie jeune, un mouvement junior qui font des entraînements les mercredis, qui font aussi des compétitions. On a un jeune qui est assez actif, qui est vraiment au top niveau national, qui fait 2-3 résultats au championnat européen et comme ça. Et sinon, on a aussi un mouvement plus, on va dire, amateur, plus relax, relax mais avec un bon niveau pour les vieux, pour les mouvements qui n'ont plus envie de faire de compétition active. Et là, on a des sorties le dimanche et de temps en temps dans la semaine. Et juste pour éviter d'aller rouler en vélo tout seul, en fait. D'aller rouler en groupe de 5-6, c'est quand même plus agréable pour faire des longs tours. Okay, bah écoute, super. Je te remercie en tout cas de nous avoir reçus. Et puis, j'attends mon petit cadeau maintenant, moi aussi, hein, vu que c'est le thème. On va se quitter sur ces belles paroles et puis profiter de la pluie. Parfait. Joyeux Noël. Merci, toi aussi. Ciao, ciao. Bah, tu m'as l'air bien sec, toi. Mais tout va bien, je suis passé entre les gouttes, je suis tellement mince que... Toujours frais, avec son chapeau, toujours beau. Cinquième jour demain, toujours ouais. En forme, malgré la pluie, le début, sourire. Début de la fin du paléo, puisque c'est le week-end de fin. Week-end généralement, de c'est le plus dur. À demain.